Alger, devant la grande poste transformée pour un temps en hall d'exposition, le gouverneur général Nejven est venu inaugurer la rétrospective du timbre algérien. En effet, si le timbre français a eu cette année 100 ans, le timbre algérien fête, lui, son 25e anniversaire. On sait en effet que jusqu'en 1924, les timbres métropolitains servaient à l'affranchissement du courrier algérien. De 1849 à 1923, en effet, seul le cachet postal d'oblitération permettait d'identifier une missive en provenance d'Algérie. En 1923, la surcharge Algérie était apposée sur les séries courantes de timbres français à l'usage des trois départements algériens. Et en 1924, enfin, l'administration des postes devait mettre des figurines à l'usage exclusif de l'Algérie. L'exposition montre également au public l'évolution de l'acheminement de la poste depuis les origines jusqu'aux moyens qui seront adoptés dans l'avenir. L'exposition d'Alger, si elle a intéressé tous les visiteurs, marque une date dans l'histoire de la poste algérienne.